Wesh, les refs, c'est Art King. Ok, bon, c'était un peu flopesque, mais c'est pas grave. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur... On s'en branle, en fait, on est sur Herodia, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Dis-moi, Kiwi, pourquoi on se retrouve? On se retrouve pour, une première chose, parler de King Fight, et deuxième chose, faire du petit rapide montage aussi en même temps, mais... Mais Kiwi, dis-moi, qu'est-ce que King Fight? King Fight, c'est quoi? Là, tu vas me dire qu'est-ce que c'est King Fight? C'est un petit PvP faction, les gars. Du Qu'est-ce coup... que t'as à le dire dessus? Bon, rien, il a rien de spécial. Eh oui, les gars, un an plus tard, King Fight est là. Il arrive vraiment pour de vrai. Juste avant que je vous laisse sur la vidéo pour vous parler de tout le serveur, rejoignez le Discord, discord.gg/KingFightMC. Vraiment, c'est très important. Là-bas, vous aurez toutes les informations, tous les spoils, les concours pour des PB, enfin pour plein de choses. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. On est déjà plus de 1100, donc c'est énorme. Merci à vous. Et juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à commenter Fuck Kiwi et je ferai un concours. Le commentaire Fuck Kiwi qui a le plus de likes gagne 3€ de PB sur le serveur. Ça sera pas fourni par moi, c'est Kiwi qui voulait perdre. Ah. Ok les gars, alors du coup on va vous parler de King Fight tout en trappant des mecs. Genre par exemple lui là, Stazy MS13 ou je sais pas quoi là. Chizigoto. Du coup, hop. Ok les gars, du coup premier essai de la séquence. Non, rechef, Venom, je vais aller dans les AP. Allez, suis-moi mon gars. Bon du coup les gars, King Fight c'est quoi? C'est un PVP faction Vanilla. Je sais que j'avais dit que ça allait faire un modé à la base des bases, mais c'est un Vanilla semi-modé. Oh, bah il est mort. Ok les gars, on se retrouve du coup, nouvelle séquence, il y a un mec qui me suit actuellement, cette fois-ci, on va réussir à le trap, promis, c'est la bonne. Oh non mais attends, on est en train de l'arracher, c'est quoi ce bordel? Je vais arrêter de l'arracher, attends, hop, je vais perdre là-bas. Ok du coup, qu'est-ce que je disais les gars, King Fight, c'est un PvP faction Vanilla semi-modé. Donc semi-modé, c'est-à-dire qu'il y aura des armures custom, des minerais custom, un système de minage custom aussi. Ce sera complètement inédit, donc pour ceux qui aiment le modé, vraiment vous allez kiffer King Fight, et pour ceux qui aiment le Vanilla, bah vous allez kiffer aussi vu que c'est un Vanilla. Il est là pour tout le monde, on va dire. Exactement, il a tout dit. Faut savoir que les gars, il y a plein de nouveautés, on a déjà balancé full truc sur le Discord, il y a full spoil et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir. Tout d'abord les gars, faut savoir qu'on a du coup des nouvelles armures, trois nouveaux minerais, donc le saphir, le titane et l'onyx. Donc voilà, c'est vraiment des armures qui servent à quelque chose, c'est pas des armures juste cosmétiques. C'est-à-dire que bah, c'est des armures meilleures que le diamant. Donc franchement ça rajoute un gameplay intéressant. C'est-à-dire que moi ce que j'aimais pas sur les Vanilla les gars, c'est que en fait tout simplement quand vous tuez un mec, vous vous en foutez du stuff. Genre là si je meurs je m'en fous totalement vu que le stuff n'a pas de valeur. Et ça vraiment ça me fait chier de ouf. Qu'est-ce que t'en penses Kiwi? Moi je pense que c'est très bien de rajouter de la valeur aux items quoi sur le jeu là. Genre tu donnes un PP fac, tu fais quoi? Tu te dis ah ok si j'ai pas un item de l'infini c'est nul t'as vu. Genre il faut un item de l'infini pour pouvoir avoir de la valeur. Je trouve ça pas ouf quoi. Ouais c'est vrai. Je trouve ça bien de changer les choses. Et d'avoir trois nouveaux minerais, totalement inédits du coup. Au niveau du mec que t'es en train de ramener là, de la trappe, qu'est-ce que ça donne? Je suis à 100 blocs bientôt là, attends. T'es à 100 blocs, bah écoute, on va faire... Je parle derrière, on va voir s'il me suit. Ouais, vas-y, okay. Mais dis pas qu'il me suit pas. Je te vois là. Peut-être qu'il est tombé, où est-ce qu'il est passé? Je pense pas qu'il te suive. Si, si, attends, il me suit. Il est derrière moi, ok, c'est juste qu'il a juste pas perlé, il s'est chié dessus. Ok, tu me dis de poule. Attends, attends. Je suis prêt. J'ai reperlé quelque part. Est-ce qu'il va me suivre? Ouais, je te vois là. Il m'a pas perlé dessus. Attends. Attends, attends. Il croit que c'est ça la trappe. Il est en train de me parler dans le chat. Ok, il se punch. Attends. Il va se laisser faire. Il crache. Il crache là? Ouais, il crache de ouf. Attends. Est-ce qu'il croit que c'est une fence? Attends, prépare-toi. Je passe juste dans l'autre sens et c'est bon. Wow, ok. Vas-y. Oh oui! Oui! Oh là là! Parfait! Parfait! Tu peux réactiver ou pas? Ouais, je réactive. 2 secondes. Tu tombes. Nice. Faut pas que je meure. Oh! Je vois rien! Mon shader, je vois rien! Ah putain, on aurait dû mettre des torches en bas! Attends, mais. Ah si, c'est bon, le feu il m'a éclairé! Je vois. Et c'est active? Il a perdu. Ouais, désactive, je le punch. Vas-y, punch si t'arrives. Il est sous région. Hein. Ouais. Attends, faut que je rentre dans la porte. Deux secondes. Je monte? Attends, c'est bon. Je punch. Gros, je vois rien! Il fait tout noir, je vois rien! C'est quoi ce bordel? Le shader, je vois rien, gros! Attends, j'enlève le shader. C'est bon. Ouais, je suis où? Il est là, c'est bon. Allez, punch le pitch, s'il te plaît. Ok, c'est bon, attends, je le punch. Hop. Sale troller, va, tu vas Minecraft là. C'est bon, il est punch, c'est bon. Gros, c'est abusé le shader. Il est trop réaliste. Oh, en fait. Il est sur moi, mon dieu, merde. Oh, il y a les salles de TP peut-être. Attends, il y a les salles de attends, TP. je ferme, c'est bon. J'ai des blocs. C'est bon. Attends, go, il va perle comme un con. Vas-y. Ouais, il va perdre. Voilà, j'en étais sûr. Et là, il est mort. Bien joué. Donc, du coup, King Fight, qu'est-ce que c'est, les gars? Eh ben, il y a aussi un système de cocaïne, si les gars, comme sur Everfight, pour ceux qui ont connu. On va T'as raison, Kiwi. Il y a un système de cocaïne. Tu peux m'en dire un peu plus, peut-être? Bien sûr, Kiwi. Pour ceux qui ont joué à Everfight à l'époque, les gars, il y avait un système de cocaïne qui était trop bien. C'est-à-dire que vous alliez récolter en Warzone, vous alliez vendre en Warzone et ça faisait plein de monnaie. Et ben, nous, on a réadapté ce système. Donc, c'est-à-dire que vous allez encore récolter en Warzone et vous pouvez vendre en Warzone et ça vous donne des box contenant des minerais rares. Et évidemment, la récompense. Dépend en fait l'investissement de la cocaïne dépend de il y a combien de connectés, donc s'il y a beaucoup de connectés les gars il y aura beaucoup de contests et la récompense sera plus grande. Donc voilà les gars, c'est vraiment un système de cocaïne comme Everfight à l'époque littéralement interchangeable. Ok, c'est bon, voilà.
Voilà, il va mourir, je pense. Mais du coup, voilà, vraiment ce système, les gars, pour le PvP en Warzone, je trouve ça vraiment incroyable. Et on s'est totalement inspiré d'Everfight. Mais quelque chose de bien, genre. Ouais, franchement. Et je trouve ça dommage, justement, que personne l'ait fait. Et du coup, voilà. Donc, pour ceux qui ont kiffé Everfight, vous allez kiffer ça. Ensuite, les gars, qu'est-ce qu'on a? Bon, il veut pas mourir. Hein. J'ai pas de force, moi, en fait, je viens de remarquer. Il a pas envie. Il est chiant. Attends. Un peu chiant. Et il est mort. Bah, il est mort. Bon, bah, bien joué à toi. Bah, écoutez, prochaine séquence. Prochaine séquence. Attends, on peut l'enfermer là. On peut l'enfermer, gros. Oh, je l'ai presque enfermé. Regarde, regarde. Attends, parce que deux secondes, moi, c'est tendu. Je l'attrape le mien. Comment je l'attrape? Moi, je vais mourir, je pense. Oh, j'ai failli mourir aussi. Wesh. Oh, c'est glitch, il est trop con. Le mien, il va mourir. Il a un HP. Je le tue. C'est bon, il est mort. GF. Alors, du coup, Arking, est-ce que tu peux nous expliquer le système des runes sur Kingfight, s'il te plaît? J'ai pas bien compris. Bien sûr, est-ce que t'as connu Dofus tout d'abord? Alors, j'ai connu Dofus, mais je me rappelle plus trop. Bah, en fait, sur Dofus, il y a un système de runes et de forge magie, et c'est ce qu'il y aura sur Kingfight. Donc en fait c'est un système assez inédit qui rappelle un peu Kafaxion V2 aussi pour ceux qui s'en rappellent. C'est un système qui permet d'avoir des runes qui améliorent ses stuff, les équipements, les outils de farm, tout en fait. Tu peux tout améliorer avec les runes, sauf les équipements PVP. Enfin, c'est-à-dire que tu peux avoir plus de dura et tout, mais tu peux pas avoir... Ouais voilà, c'est ça. Il n'y a pas de truc qui te fait plus de dégâts ou ce genre de truc, plus de résistance, tu vois. Mais il y a plein de trucs, par exemple tu peux dupliquer tes récoltes quand tu farmes, tu peux dupliquer tes minerais quand tu farmes, tu peux avoir plus de dura, plus d'effets de potions. Un pourcentage, c'est ça? Oui voilà, c'est ça. Et tout ça c'est en fonction de la rareté, et la rareté ça dépend des minerais. Comme j'ai dit, il y a l'onyx, saphir et le titane. Donc là je l'ai dit de manière décroissante, c'est-à-dire que si tu brises du stuff onyx, t'auras une rune légendaire. Si tu brises du stuff diamant, t'auras une rune commune. Si vous voulez plus d'infos, allez voir sur le Discord comme j'ai dit en début de vidéo, dans le channel Spoil les gars. Il est encore en train de me suivre, j'ai 3 potions frérot, je te mens pas, c'est comme ça être tendu. Il faut lâcher les spawning fight et venir à la trappe en gros là. Ouais j'arrive. Attends, c'est le tendu, mec arrive, il a toujours 2 potions, vas-y les gars. J'ai 2 potions frère, littéralement. En plus il y a un autre mec derrière moi. Oh c'est chaud. Pourquoi je bosse avec lui? C'est chaud hein. Attends j'arrive. Je le vois, il est là, il y a personne derrière toi. La vie de ma mère, je me fais. Personne derrière toi, ça met la haine. Ils se font caca dessus, c'est du jamais. Ils ont peur de perdre un stuff diamant, ça, c'est ça le problème aussi. Voilà. Il a l'air d'être no fuck. Ouais, il joue run. Il est raciste. Bah voilà, un exemple typique de ce qu'il y aura pas sur moi aussi. Merde. Il est raciste, les gars. Oh putain. Il joue run. Mais dis-moi, Kiwi, qu'est-ce qu'il y aura pas sur Kingfight? Pas de pens fly, bande de noobs. Pas voilà, de. Et la rod sera nerf aussi. Il y aura pas ce truc là, y'en a marre. Là. Ça, il y aura pas. Y'en a marre. Tu vois, c'est un truc de Formule 1, frère. C'est une voiture, c'est quoi cette vous merde? Vous êtes ni Schumacher, ni Verstappen, ni Alonso, ni Joule, mais qui confond tout. Pas mal, j'ai bien aimé la ref, je vais te ban. Pas de rod. Enfin, si, il y aura une rod, mais elle sera ultra nerf, genre vraiment. Parce que vraiment, c'est un gameplay qu'on aime pas du tout. On trouve que vraiment, honnêtement, si on devait dire les termes, les gars, ça pue la merde, voilà, on vous le dit. Y'a aucun skill en faction à utiliser la roll les gars. Tu me dis en UHC, tu me dis en SOTW du HDHF à la limite tu vois. Ouais voilà. Et tu... Attends, je prends les potions. Il te suit, tombé de coffre en gros sur l'ordinateur. Ouais, ça emmène beaucoup. Sur l'ordinateur. T'es horrible. C'est pas grave. C'est pas grave. En plein fight, t'as un gros message en plein. Vas-y mais arrête de te fight. Attends, attends, j'ai une pote là, j'arrive. Bah oui. Oh putain, j'ai même plus de skill. Il est parti, il est parti. Il me suit pas. Le stuff est gratuit, il me suit pas, je vais briller, gros. Le stuff est gratuit. Il me met à une pote, il me suit pas. C'est chaud, frère, mais comment tu me rec? Un mec sur moi, il me fight pas. Ah non, il boit ses potes, on va voir. Pour nous, attention, les gars, celui-là, on réussit pas à le trap. Back, lui. Oh ouais, voilà, 100% lui back, voilà, je vous le dis. D'ailleurs, pendant que je suis en train de fight Kiwi, on va parler d'un truc très très important. C'est le classement, le cash prize. Ah oui? Non, on va pas parler du cash prize maintenant. Pas maintenant? Vraiment vite fait. Hein. Bah vas-y, dis ce que t'as à dire. Puis les cash prize, les gars, vous voyez pas qui fait des vidéos tous les jours, les gars. On a la moula, les gars. Les gars, on depuis skill PVP, j'ai reçu tellement de dons que les gars, niveau cash prize. On stack. Est-ce qu'on leur dit ou pas combien? On leur non, dit ou pas? Non, on dit pas combien. Ok, vas-y. On vous dit pas combien, mais vous allez être choc bar, les gars. Vraiment. Ah oui, et du coup, le classement, les gars, ça se passera sur 2 semaines. À chaque fois, le classement va être sur 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Donc, parce que un mois, bon. Ça permet de renouveler plus rapidement, frère, et ça y est, on passe à autre chose, tu vois. Tous les serveurs qui ont un cash prize un mois, bah en général, le cash prize dure plus longtemps que le serveur. Donc, voilà. Et quoi qu'il arrive, le cash prize sera donné, les gars. Enfin, et on va pas dire, ouais, non, le serveur a pas essayé de marcher, du coup, on va pas vous donner le cash prize. Alors, on n'est pas des scammers, on va pas citer de blaze, mais voilà. J'ai plus de dura, plus de potions, j'attire un mec, mais je pense que ça va pas marcher. C'est sûrement la fin du jeu. Ouais.
par contre, prono, il me suit pas parce qu'il a peur de perdre son. Ah, attends, j'ai rien dit, il me suit. Ah, non. Il s'arrête. Ah, et voilà. Et voilà. Bien pourquoi, les gars. Je ne record plus, les gars. Les gens, ils jouent leur vie comme si. Oh, j'en peux plus, frère. C'est peut-être le 8ème qui bug d'affilée, frère. Non, les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'est horrible. D'ailleurs, puisque vous me connaissez bien, les gars, je fais que des séries en partant de rien. Tout ça pour vous dire que, évidemment, le serveur ne sera pas pay to win. Sans payer, vous pourrez très très bien vous en sortir, vraiment. Vous pourrez vous faire le meilleur rank et tout. De toute façon, je ferai une série en partant de rien aussi. Enfin, tu mets 20-30 euros sur le serveur, tu t'es très bien. Bon, ouais, voilà. Très bien. Franchement, les gars, c'est-à-dire que si vous voulez vous faire un opening de clé, vous avez pas besoin de mettre. Merde, je suis mort. Vous n'avez pas besoin de vous de mettre 1 milliard d'euros de clés ou quoi que ce soit. Les clés sont pas chères. Les grades sont pas très chers, même si ça reste un prix quand même pas mal. Ouais, ça, j'avoue. Plutôt... Les spawners sont vraiment pas chers, les gars. Quoi. Probablement, je suis dans un AP actuellement. La fin d'Art King, les gars. N'hésitez pas à dislike la vidéo si il meurt. Ouais, bah c'est... Mais merde, viens de me mute. Bon bah je suis mort moi, c'est sûr et certain. C'est bon. Bah, spoiler les gars, je suis mort dans une seconde. Voilà, GG. GG, j'écris VGF dans le chat. Honnêtement, j'aurais préféré avoir plus de séquences trap et tout, mais les gars, ça me saoule, ça fait 2 heures que j'essaie de trap. Les gens, ils ont peur de perdre leur stuff, on se fait chier. Mais ce qui est bien les gars avec Kingfight, c'est que je pourrais faire toutes les vidéos comme je veux, je pourrais faire des concepts de malade mental. C'est vrai. Et bah voilà les gars, oubliez pas de rejoindre le discord.gg/kingfightmc, vraiment c'est super important, là-bas il y a toutes les infos, tous les spoils. Il va y avoir une présentation, un trailer qui va arriver. Et puis voilà. En fait, le mot c'est rester à l'affût, en fait. Juste rester à l'affût. Vraiment, rester à l'affût, les gars. Je vous assure que c'est un vrai projet. On se fout pas de votre gueule cette fois-ci. C'est un vrai projet. Je suis vraiment le fondateur. Je suis pas média owner ou je sais pas quoi. Ouais, y a pas le projet est fait pour que ça plaise à la commu. Et vous avez pas besoin de mettre 100 euros dans le serveur pour vous amuser. Voilà, je vous le dis. Bref, sur ce, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous voulez. Ça me ferait plaisir. Et Kiwi pour le mot de la fin. 100 likes égale 10 euros de giveaway. Tout de suite. Hop, voilà, au moins c'est dit. Salut les gars, c'est Kiwi, je vous aime tous.